Alors là, on est à un hôpital de Bucarest où je vais rencontrer les bénévoles d'Actor qui vont toute la semaine jouer avec des enfants. Bonjour, je suis Cyril Tisserand, Vosgien depuis le début de ma vie. On est à Bucarest, en plein mois d'août, il fait très chaud ici. Et donc je suis volontaire dans l'association Actor. Alors moi je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans, je viens d'Épinal, donc en France. Et voilà, bah, je suis venu ici, ça fait 3 jours que je suis à Bucarest, donc pour le service volontaire européen. Toujours dans le même but de s'occuper d'enfants dans les hôpitaux, dans les écoles, pour leur faire de l'animation, pour les distraire. À Actor, on a 2 activités principales. La première, c'est d'aller dans les écoles, à faire des leçons sur les différents pays d'où on vient. Donc on est 10 volontaires actuellement, même 20 pour la prochaine année. Donc on parle chacun de nos pays, de notre culture, de notre langue, du folklore, de n'importe quoi, de tout. Juste pour ouvrir les yeux et l'esprit aux enfants de Roumanie. Et la deuxième activité est plus basée sur les enfants dans les hôpitaux. Donc on va dans les hôpitaux pour faire des activités et les sortir un peu de cette atmosphère d'hôpital fermé. Nous, à la base, on est une association sur l'origami et sur le théâtre. Donc une des bases de notre travail dans les hôpitaux est l'origami. On n'a pas besoin de parler beaucoup pour exprimer énormément de choses. D'accord. Après, on utilise aussi donc des marionnettes, des ballons. On gonfle des ballons, on fait des petits chiens, des petits sabres. Mmh. On les laisse jouer après. Ça fait 2 ans donc, que je suis animateur en centre, en relation avec une école. Mmh. Et voir des enfants français, c'est très bien. Faire de l'animation avec les enfants en France, c'est super, mais il fallait une autre vision des choses. Mmh. Donc j'avais envie d'aller plus loin et effectivement, je suis tombé sur cette opportunité qui est de venir en Roumanie pour découvrir une culture totalement différente. Je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose. J'avais un besoin d'apprendre aussi en anglais et un besoin de découverte. Et je me suis dit, j'ai envie de partir dans l'Europe de l'Est, en Europe de l'Est pour découvrir une autre culture et d'autres gens et quelque chose de différent. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension au niveau du contact avec les enfants, vu que je ne parle absolument pas le roumain. Ouais. Mais en fait, le contact se fait naturellement et c'est très humain, c'est que les enfants viennent tout de suite vers nous. Mm-hmm. Et c'est énorme parce qu'on leur apporte beaucoup et ils nous apportent autant. Et au final, c'est génial. Et j'espère que ces 12 mois à venir seront bénéfiques pour ma vie future et je pense que c'est certain. Bah, je pense que vivre avec 10 nationalités différentes, de travailler ensemble, de vivre ensemble, parce que c'est vivre ensemble, les SVE. C'est incomparable. On a appris du polonais, du danois, du portugais, alors on a appris toutes les langues. Et puis après, c'est relativisé, ouais. Relativisé par rapport à ce que vivent certaines personnes et la chance qu'on a d'être là, dans ce programme, et de pouvoir s'éclater avec eux et de leur donner un peu. Donc, on relativise à leur contact parce qu'ils ont tellement de problèmes et en même temps, on essaie, nous, de redescendre un peu sur Terre et en redescendant, de les remonter un peu de leur trou. Quoi. Ah non. Je suis arrivé en Roumanie donc l'été dernier, en vélo, comme toi. En vélo? C'est magnifique. Et c'était bien? Ah, c'était cool. Ah là là là. J'étais sur une vieille bécane Peugeot de mon père. Et donc je suis venu et j'ai pris à peu près un mois et demi pour venir en Roumanie en suivant l'Eurovélo 6. En passant par quel pays? Bah, j'ai fait, je pense que tu as fait un peu les mêmes. J'ai fait la Suisse, l'Allemagne, ouais. Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie. Et après, je suis arrivé par les portes de fer en Roumanie.